comment est né ce projet? Ce projet, il est né il y a 3 ans, d'une proposition de José Alfaroba à Vanves, qui m'a dit « pars sur une nouvelle chose ». Du coup, je suis parti sur voilà, cette intuition du rapport au projet, quel sens on donne à sa propre vie, ce besoin d'aspiration, d'une ligne de mire, voilà, ce rapport à la passion aussi, qu'est-ce qui nous guide. Et je me suis lancé sur notre foyer, du coup, en projetant deux projets, deux grands projets de vie qui seraient une maison et un voyage. Et ces projets, on les a un peu radicalisés, puisqu'ils sont portés par deux filles, Elsa et Stéphanie. Et la maison, c'est une maison dont on souhaite ne plus jamais sortir, et ce voyage, il est sans retour. La cuisine, elle est où? Il n'y en a pas, il n'y a pas de cuisine. Pas de cuisine. Et les toilettes, elles sont où? Hein? L'arrivée d'eau se situe de quel côté? Effectivement, on fait du théâtre, c'est-à-dire qu'il y a des dialogues, il y a des scènes, etc. Mais on essaye sur tous les plans, voilà, de ne pas s'installer ou de ne pas rester dans une case, quoi. Donc formellement, on flirte avec plein de formes différentes dans le spectacle, soit presque anecdotique, cinématographique au début, jusqu'au presque performatif à la fin. Enfin voilà, on essaye de glisser pour déplacer toujours le spectateur aussi. Il y a plein de points de vue dans notre foyer sur ce rapport au projet. Il y a une mère, la mère d'Elsa, qui construit sa maison, qui a un rapport plus mature et peut-être fait plus de compromis vis-à-vis de cette histoire de projet, qui n'est pas dans une chose radicale, que finalement vivre, c'est s'arranger avec la vie pour continuer d'exister de la manière la plus tranquille et joyeuse possible. Il y a Eugène, cet ouvrier, qui est dans un rapport justement tailleurofordiste au projet, qui est voilà, d'œuvrer au projet des autres. Mais où est le sien, quel est mon désir, etc. Voilà. En tout cas, en tant que spectateur, voilà, on a cette traversée du rapport au projet par éclairer de différentes manières et en quoi cette vision complète peut-être éventuellement nous modifier.